Parmi les gens qui regardent mes vidéos, j'en ai beaucoup qui ne sont pas abonnés, et comme je suis à ça d'avoir les 100 000 abonnés, si vous pouviez juste regarder si vous êtes bien abonné à ma chaîne, ça serait cool, et si vous voulez vous abonner, bah faites-le. Et pour ceux qui sont abonnés depuis plusieurs mois, merci à vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, commenter, ça fait du référencement, c'est une vidéo qui met beaucoup de temps à faire, et beaucoup d'énergie, même si c'est un grand kiff de l'avoir chaque année. Donc voilà, merci à tous d'être présents sur cette vidéo. La Zilan, 200 joueurs qui s'entraînent pendant plus d'un mois pour essayer de devenir LE meilleur joueur multigaming. 12 jeux qui sont tous plus différents que les autres. Dedans, on trouve du FPS, des RTS, des jeux de course. Et peu importe comment tu es familiarisé avec ces jeux, le plus important, c'est d'être le meilleur. Si vous êtes abonné depuis plusieurs années à ma chaîne, vous ne pouvez pas passer à côté. Chaque année, il y a la Zilan et la vidéo Zilan qui sort. Et il est temps de vous présenter ma meilleure Zilan. Du stress, de l'émotion, de la joie. Je vous laisse vous plonger dans ce qui est l'une de mes meilleures vidéos de l'année. Et on commence la veille de la Zlan, le 11 mai, lorsqu'on est arrivé et qu'on a installé nos setups. Les amis, j'espère que vous allez bien. On est de retour pour le vlog. Arrête. Tu me regardes déjà avec des yeux. Je suis stressé. Mais tu sais... Non mais non, en fait j'ai rien filmé, comme j'ai personne, j'ai pas cadreur, j'ai pas mon frère, j'ai pas, voilà, j'ai rien filmé. Donc j'ai même pas filmé mon entrée ou quoi que ça, juste, bah voilà quoi. Un petit peu. C'est un vlog. Martin Ponk. Oui. Le vlog du Family Kingdom, il sort quand? Jamais. Bah si. Pas de date prévue. Mais... Je sais pas si je le sortirai. C'est vrai? Non, je pense que tu devrais. Ça c'est la feature. Ah petite oui feature, le PC qui s'ouvre. Sympa. Et là regarde, hop. Ni vu ni connu. Et comme neuf. C'est coup de pied. Je te jure. Non mais des fois cette plaque là, ce bar tout ça, je sais pas pourquoi. Ah oui il a failli tomber le PC. On l'a refait. Hop là. Attends, mets bien ton PC en sécurité et je prends mon écran. Voici la salle. Elle est plus petite que l'année dernière, mais elle est très jolie. Et surtout que le plateau est dans une autre salle. J'ai tout mon setup à installer. J'ai tous mes cartons. Il faut juste que je me bouge à le faire quoi. Depuis tout à l'heure, je parle et j'installe rien, donc il faut que je le fasse maintenant. Quoi. Un vrai déménagement. Non, mais c'est genre. Mich pardon. Oh, ok. Salut, ça va? Et toi? T'as vu, il est rasé. Attends. Il est rasé. Bah, c'est bon. Non, mais il y a tout ça. Tout le setup est installé et tout marche. Je viens de faire mes scènes et tout, c'est vraiment génial. Mesdames et messieurs, pour sortir d'une salle. Sinon, après, on bug les pseudos et de la compétition, ça vous va? Oh non. Peut-être ça vous motive à sortir, on sait pas. On va y aller, on va y aller. Bon, en tout cas, on se retrouve dans quelques secondes pour vous, pour le lendemain, pour le jour de la LAN. En tout cas, la salle est très belle. J'ai parlé avec pas mal de monde, ça m'a fait plaisir de revoir les copains. Et on se donne rendez-vous tout de suite pour la suite de l'aventure. On y est les amis, on est le jour de la ZLAN, on est vendredi 12 mai. Ce soir, on commencera les phases de poule. On n'a pas d'infos encore sur le format, donc peut-être poule, peut-être pas poule. Il est 10h30, vous voyez ma gueule, j'ai très peu dormi. Mais on est chaud parce que c'est aujourd'hui qu'on consacre un mois, plus d'un mois de training, donc je suis vraiment content. On a Onustream qui est en train de manger. Ça va mec? Bien dormi? Ouais. Pas assez. Avant midi, là. Bah ça arrive hein. Non mais lui c'est un streamer matinal. C'est surtout un streamer matinal. Voilà. Donc et moi c'est l'habitude du stage. Moi je travaille donc de base donc bon. Donc ça va, je suis réveillé à 5h tu vois donc c'est ok. C'est ok. Ça va? Bah ça va toujours. Pas trop dur. Tu sais quand on est debout, c'est sûr on se fatigue. Le stage se termine jusqu'à 2h du matin. Ce soir? Oui. Wow. Ici? Bon, on se reverra là. Inch'Allah. Inch'Allah. Vous allez jouer? Ouais, c'est ça, on fait une compétition de jeux vidéo. D'accord, des jeux vidéo. C'est ça. Et là, l'écran que vous verrez là, il y aura la diffusion principale. Ça sera comme à la télé. Sera... D'accord, on va regarder. Bah oui. C'est oui. des jeux électroniques. Ouais, c'est ça, il y a des jeux vidéo, il y a même du puzzle. Inch'Allah que tu vas gagner. Inch'Allah, on verra, j'espère. Tu vas gagner, Inch'Allah. J'espère. Les jeunes de maintenant, ils sont électriques. Exactement, exactement. Moi, j'ai un gamin, il a 15 ans. Mon fils. Il joue? Il joue. L'autre, il a 15 ans. En 5 minutes, tac, ils sont... Moi, il joue à l'ordi, à la Play? À la Play, oui. À la Play. Mais moi j'arrive pas à envoyer un message et je me trompe. Lui, juste, il te regarde, tac, tac, tac. Algérien, ouais. Mes parents, ils viennent de...
Alhamdulillah. Passe-leur le bonjour, dites-leur qu'il y a un Algérien qui vous passe le bonjour. Eh ben, je leur passerai. Et bonjour à toute la famille, merci, la santé. Merci, Khouya. Merci. Fais attention à toi. Merci beaucoup. Merci. À tout à l'heure. Vous êtes là, toujours des moments de rencontre, hein. Même avec les gens de la sécurité, c'est très important. J'aime bien parler un peu à tout le corps de métier. Je trouve que c'est cool. Salut, c'est le vlog. OMG. Comment il va, tu t'as dit? Ça va, la forme. T'as pas le costard encore? Non. Mais quoi? Bien sûr, regarde. C'est cool, Vartek, là. Qu'est-ce qu'il nous fait, Rayou? Il est caché là derrière. C'est bien passé, t'as le Minecraft. Je suis mort à 7 minutes après avoir fait Bastion Forteresse, mec. Ça fait trop plaisir. Franchement, ça fait bien pour ça met bien. T'as regardé, les gars. Tinko. Ça, c'est un joueur point d'action, ça. Ouais. Dans les matchs, Bichard. Ah, c'est ça ton passing. Tu sais qu'il a changé, hein? De quoi? Le passing. Comment ça? Il a changé. C'est une troll. Bah oui. Frère, c'est pas mon meilleur jeu, alors en plus tu me crois, non? C'est pas le moment de changer le passing. Tu lui aurais montré un passing là maintenant, il a été capable de le prendre et de le copier. Avec toi, il y a vite fait de croire que tu trolls quand même. Bon allez, on va jouer un petit peu, histoire de train. Quand même, parce que c'est important. T'as besoin de savoir. Et là, Gep va vous vlogger, les gars. Salut à tous, c'est Gep. Ça m'a fait quelque chose. Ça m'a. Jimmy Ball, comment ça va? Bien dormi? Bah, il ronfle. Comme beaucoup de gens cette nuit-là, apparemment. Quel image de la cam. J'ai sorti rose. Aïe, aïe. Eh, t'as vu? Eh, je me suis dit. Mais toi, t'es frais, toi. Regardez-moi, les gars, le flow de pont, quoi. Putain. Vous voulez une vérité sur pont, les gars? C'est qu'il a pas trimé Minecraft encore. On est à la Z-Lan et il commence à traîner baskets. Il est jamais trop tard pour commencer. Ok, oui. C'est un cadeau? Ouais, c'est un cadeau. On ça filera des arcs après. C'est vrai? Ouais. Merci, hein. Ils viennent d'installer notre ballon et je ne sais pas encore à quoi ça sert. Oh, je sais! C'est les flambeaux. Dès que t'es mort, ils explosent le ballon. Wouah! C'est une dinguerie. C'est une trop bonne idée. Okay. Regardez qui vient d'arriver, les gars, il y a Blazix. Ça va ou pas les beaux gosses? Il est midi 44. Le test commence à 13h en gros pour vous situer. Mais vraiment. Et ils ont dit non, faut venir le jeudi soir au grand max, le vendredi matin avant midi, faut être prêt. Midi 44, le mec arrive, il branche aux étapes et tout. On y est, les amis, le format c'est dans quelques secondes. Le format de la Z-Lan, vous allez voir passer le PowerPoint. Ils ont préparé un PowerPoint pour annoncer le format. La seule info que j'ai eue, c'est que Hugo m'a dit mec, le format, il faut que tu le comprennes. M'a dit bonne chance pour le comprendre, c'est déjà une épreuve en soi. Hâte de voir comment ça va être. Du coup déjà, bienvenue à tous. On est content de vous recevoir sur cette Z-Lan 2023. On va faire un tour rapide de ce que c'est la Z-Lan, de comment dérouler. Le format. Il est mort. Chiant. Et ensuite, globalement, on va finir vers une heure tous les jours, si on prend pas trop de retard. Et ça va surtout être de bon fait, c'est-à-dire que si vous rejoignez les lobbies quand on va vous les donner, si vous liquez pas les codes, un bichard. Allez, c'est... Allez, c'est bon, je... C'est pas Gil à la base. Alors, c'était Gil l'année dernière, Bichard a déjà leak sur les scrims, donc je me dis que peut-être qu'à deux, on a un joli duo. Pas pour rien, c'était mec l'année dernière. Merci. Shots fire. Je me cache. Gardez toute la zone propre, la zone doit être quand même relativement regardable. Donc évitez de laisser traîner des déchets, on va faire passer des poubelles, ce genre de choses. De laisser traîner des trucs, il y a un gros McDo pile en face. Est-ce qu'ils sont immunisés? Les capitaines! Je vais télécharger Streamlabs, il est dessus. Les capitaines! Friendzone! J'ai un mec qui vient de sub. Qui s'est sub maintenant? Y'a un mec qui s'est sub maintenant? J'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie, les gars. Il est 15h. Le début du live de la Z-Lan, c'est 18h. Et j'ai lancé un stream sans faire exprès. Mais genre au moins 5 minutes, je m'en suis pas rendu compte. Mais on a vu tout le décor, regardez sur la scène à laquelle j'étais. On a tout vu. Mais je suis un connard. Regardez, vous étiez dans le chat et tout. Moi je suis dans la merde. Mesdames et messieurs, il reste plus qu'une heure avant la Z-Lan. Tout le monde est excité et n'attend que à jouer en boucle là. Genre tout le monde attend que ça. 10 minutes du lancement de la LAN. Dans quelques minutes, Zerator va venir et va nous annoncer les jeux. On est excité. J'ai trop peur et trop hâte. C'est le début de la Z-Lan 2023 et j'espère qu'on va aller très loin. Sinon, bah... cette vidéo aura mal vieilli.
Salut. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la CILAM 2023, très heureux de vous accueillir ici, regardez comment on est, très heureux, très content d'être là. Une fois n'est pas coutume, cette année on commence par la coupe, regardez comme elle est belle cette coupe, elle est jolie, elle est toute illuminée, on a même le petit, hop, italienne là. Tu peux le mettre où tu veux, tu peux le mettre là, c'est super. Que serait une compétition sans les joueurs? Donc ce serait cool qu'on aille voir les joueurs. On va aller dans la salle des joueurs, on va aller leur dire bonjour, puisque ils sont nombreux, nombreuses, hein, ils sont quasiment 200. On va arriver ici dans la salle des joueurs. Attention, écoutez, est-ce que vous entendez le bruit? Tu peux nous mettre la régie? Oh, 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 ils sont là, ils sont là! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Bichbich, on se retrouve pour la ZLAN 2023. Comment ça va les gars? Est-ce que vous passez tous une très très bonne journée? Moi je suis très chaud, je n'ai rien compris au format, j'espère que vous avez compris. Ça fait trop plaisir de vous voir, comment ça se passe à gauche là? Si, non c'est là, c'est là, faut suivre, j'ai rien compris. La seule chose que j'ai compris, et là on vient de l'apprendre, c'est qu'on va jouer Minecraft et Trackmania en tout premier. Et le puzzle, c'est vrai qu'on fait le puzzle. T'es à côté de qui? Alors, à ma gauche là, il y a Ponk qui est là. Et à ma droite là, il y a Blazix, mon mate, qui est là, avec qui je me suis inscrit. Chose importante, si on est qualifié, enfin si on joue à Valorant et qu'on est capitaine d'équipe les gars, c'est très important. On ne peut pas se faire voter. Être capitaine d'équipe, c'est hyper important. Il faut qu'on arrive dans les 40 premiers, dans les 3 premiers jeux, dans les 3 prochains jeux là. Ok, launcher Minecraft, on y go. Là si je passe là, là regardez, là c'est Blazix en très proche, vraiment. Là c'est moi, en très proche aussi. Là il y a Ponk, à côté de Ponk il y a Jimmy, à côté de Jimmy il y a Stratouké, à côté de Stratouké il y a Malm. Et ensuite, bah on connaît plus trop. Ouais, est-ce que j'enlève les chaussures? Est-ce que j'enlève les chaussures les gars? Ouais, j'hésite. Ah mais tu sais que même moi je vais enlever les chaussures. Mais j'ai peur, ça sent le parmigiano. Bon les gars, vous savez quoi? Allez, les gars, j'enlève les chaussures. Putain, on voit. Oh, et, regarde, putain, on voit ta belle guibole, mon frère. Oh, 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 la belle guibole. J'enlève. Oh là là. Oh. Ah non, mais il vient de sentir. Non, mais là, il vient de s'assommer tout seul avant la run. Hein. Il y a la cam juste là, frère, en plus. Oh la vache. Oh, bizarre, ouais. Je le connais pas personnellement. Parlons d'un sujet qui est peut-être le plus important de cette ZLAN, le format. Il a été gardé secret pendant près d'un mois et demi et c'est la première année, toutes ZLAN confondues, qu'on n'a pas le format précis des jeux. On ne sait pas comment on va jouer les jeux, sur quel mode de jeu, avec qui, quoi, comment et voilà. Surtout que pour la première année, la ZLAN est en FFA, c'est-à-dire en solo, et la seule information qu'on avait, c'est qu'à des moments, on va devoir faire des équipes et à d'autres moments, on va devoir éliminer des alliés. Durant 3 jours de compétition, on va s'affronter sur 12 jeux. Fall Guys, You Suck at Parking, Minecraft, Northgard, Garry's Mod, Trackmania, Shootmania Storm, Power Wash Simulator, Valorant, Golf Gang, le puzzle et un jeu mystère comme chaque année. Le format est un peu compliqué donc je vais vous le faire étape par étape, sachant qu'au fur et à mesure de la vidéo, je vous expliquerai une partie en plus du format. Du début de la ZLAN jusqu'aux phases finales, il y a 9 étapes. La première, on est 200 joueurs en solo et l'étape 1 compose 3 jeux, Minecraft, Trackmania et le puzzle. Dans ces 3 jeux, on va définir le top 40 qui seront 40 capitaines pour l'étape 2. Ces 40 capitaines sont immunisés au vote, c'est-à-dire que lorsqu'une équipe va perdre, elle va devoir voter pour un joueur, mais le capitaine ne peut pas être voté. Il faut savoir que pour la première fois dans toutes ZLAN confondues, il y a un loser bracket. Lorsqu'on se fait voter, on ne perd pas. On va dans un loser bracket qui, si ça se passe bien, peut nous faire remonter jusqu'aux phases finales. Mais on va pas en trop en parler dans la vidéo parce que... Non. Faut vraiment que je fasse pas de la merde, ok, sur Minecraft. Préparez-vous! Attention, démarrage dans 5, 4, 3, 2, 1, hop, c'est parti, let's go, MG Party, la 2023, toutes et à tous, let's go. Alunéa crash. J'ai pas de forge. J'ai fait une pioche. J'ai jamais fait de pioche. Bon attendez, je suis en slow run là. Ok, alors toi mon ref, on y va. Oh putain, j'ai fait trop de pain. Je peux faire mes trades. Y'a une forge là-haut. Ah mais y'a une forge là-haut. On a dit la même chose. Y'a une forge là-haut en fait. Oh y'a... Non, c'est vraiment ça qu'il y a. Oh non, y avait vraiment ça. Mec, je suis baisé, j'ai plus de blé. Mais en fait non, j'ai assez en fait. Oh, putain, mais j'ai assez, je suis une merde. Bon, je fais vraiment de la merde. Hein. Désolé, mais le stress, on va se reconcentrer. C'est pas très grave. Non, mais vas-y mon ref.
Top pause, je viens de m'en rendre compte maintenant, mais j'ai fait un saut d'eau alors que j'avais assez de fer pour faire mon saut et j'avais déjà une pioche en fer dans l'inventaire. Mais je suis trop nul en fait. Alors est-ce qu'il y a un lac de lave? Juste reprendre des lits. Ensuite on y va. Alors, est-ce que j'ai le lac de lave? J'espère que je pars dans la bonne direction. J'espère que je pars dans la bonne direction. J'espère partir dans la bonne direction. Je l'ai. Ok, c'est bon. Je suis parti dans la bonne direction dans la plaine. Je suis parti dans la bonne direction dans la plaine. Tu es parti dans la bonne direction dans la plaine? Ouais, je suis parti dans la bonne direction dans la plaine. Très bien, mais je vais partir. Mais alors là, là. Alors, s'il te plaît, c'est pas le moment. Ok. Ah, oh, un lac de lave, les amis. Ce serait quand même pas masterclass. Putain, mais alors, et quel coup de bol d'avoir trouvé un lac de... Mais quel bol, hein, mais bon, que t'aies trouvé le lac de lave, quoi. Je vais y aller. Ok, là-haut. Ok, il y a la forteresse, là. On va juste se barrer. Est-ce que je vais réussir à trouver le bastion? Ok, il est là. Je vois. Ok, il y a un double chest en haut. Un quoi comme bastion, ça? Je sais pas quel type c'est, putain. Je vais pas réussir à descendre. Oh, je suis trop une merde. Je sais pas si c'est là qu'il faut que je descende, hein, mais bon. De toute façon, on va bug F5. Je suis où, là? Je suis dans quelle zone? J'ai entendu... Oh, c'est un stables. Ok, j'ai trouvé. Ouais, c'est un stable, c'est bon. Ok, alors, le good gap. Ok, c'est un good gap, là. Ok, allez, ne pas fail son stables, ne pas fail son stables. Donc, chope l'aggro quelque part. J'ai pas un bloc à miner, là, ouais. Ok, c'est bon. Ok. Ok. Oh, je stresse, putain de sa mère. Oh, comment je stresse, vraiment. C'est dingue, hein. C'est bon, j'ai assez. J'ai pas assez d'opsy. J'ai pas assez d'opsy. Ok, si, j'ai pile assez. Fallait vraiment tout prendre, quoi. Il faut que je remonte. Je venais de là. Je suis pas dans le bon côté. C'est chiant. C'est chiant, les blazes sont où? Ok, il y a spawner là-haut. J'ai pas vu que j'avais assez. Non mais c'est jamais arrivé que ça spawn ici. Hein. Allez. 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 Il me casse les couilles. Ok, plus qu'un. Plus qu'un, plus qu'un, plus qu'un, pour être sûr, plus qu'un, pour être sûr, plus qu'un, pour être sûr. Allez, on va aller en 150-150. Ok, c'est bon. On va poser ce portail là. Ok, je pense que c'était là qu'il fallait poser. Initialement. Ok, ne pas failler son portail. Ok. Ok, c'est bon, j'ai pas fait mon portail. Je joue safe les gars, mais je préfère. Hein. Je préfère. Friendzone. Moins 129.3, ok. Il est à 1.3, donc à 700 blocs. Ok, je suis pas si loin. Ok, il est là. Alors j'aurais bien aimé trouver l'entrée directement. Donc vous savez quoi, on va prendre un risque. Ok, l'entrée est juste derrière. Je veux l'entrée parce que de l'entrée je saurais me repérer. Je prends pas de risque, hein, je sais, mais bon. C'est là. À tous les coups, c'est là. Ok, c'est là. Putain, je suis une merde. Je tente de la... Il est là. Oh, j'ai vraiment mis pas beaucoup de temps à le trouver, quoi. Ok. 11. Attendez. On va la jouer safe.
On va la jouer très safe. Continue mon respawn. Tout bon. Et on va crafter nos lits tout de suite, comme ça sera fait. Ok. Ouais, ça je peux drop, aller. Huit underpearls, ce qui est pas mal. Allez. J'ai joué tellement safe. Oh là là. Oh, ça fait plaisir. Top 5. Mais non, incroyable. Ce que je voulais. J'ai dit j'avais envie de top 5. Oh là là, je suis tellement content. Les gars, j'ai pas été très lucky sur les perles, mais j'ai bien fait de jouer safe. Oh, je voulais sortir avec 7 blaze, j'ai bien fait de sortir avec 8. J'ai tellement bien fait de sortir avec 8. Oui, je suis top 5 100%, c'est vrai. Ça m'a affiché sur le live, c'est sûr. Ils m'ont vu finir. Mais non. Là maintenant, on va passer, pas à Puzzle, on va passer à Trackmania maintenant. Stresse pas non plus, t'es bien. Je stresse pas parce que pour le classement général, hein, je stresse juste pour TM là, et le puzzle. Parce que même si j'ai fait top 5, ça peut me baiser quoi. Si je fais genre top 180 au puzzle, les gars, c'est ciao. Hein. Allez, Ponk, on y va, c'est parti. C'est maintenant. Faut pas que je choque cette map parce que c'est vraiment la map où je me sens le plus à l'aise, MDR. Du coup, si on la choque, ça me mettra au fond. Voilà, je vous le dis. Ok, on est parti, c'est maintenant. Je démoitis mes mains. Après notre top 5 sur Minecraft, on enchaîne sur le deuxième jeu, Trackmania, un jeu où je me sens ni très bon, ni très mauvais. Je finis premier, mais je finis pas premier de toute la Zlan, je finis premier de mon serveur, les gars. Je vous précise, donc je n'ai pas fini premier de la Zlan. Mais je suis plutôt content. Top 1. Allez. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. On finit 12ème. Ok. Allez, on enchaîne. On fait 5 maps. 5 crowns. Et ensuite, on enchaîne sur la 2ème map. Pas grave, j'ai la vie. Ah ouais, y a même pas de 60ème. J'ai un peu plus de merde là, c'est dommage. Oh non, j'ai pas de chance. Pourquoi? 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 Pourquoi le réflexion sur l'eau elle me fait ça? Ok. 20ème, pas ouf mais bon. J'ai pas réussi à finir la map dans les sessions d'entraînement de cet après-midi. Voilà, je tenais à vous le dire. Ça m'a fait rire, hein. Désolé, hein. Parce que ce n'est jamais arrivé à l'entraînement. Ok, c'est pas grave. Les gars, c'est pas grave. Je suis loin du top 10, hein. Putain. Oh là là, je suis loin du top 10. Une. Moins une qui est pas mal. Allez, celle-là, faut juste passer. Faut juste passer deux fois un endroit terrible. On est loin, on est haut. Mais... on va, je pense, y arriver. Oui. Même si on est haut, on a perdu du temps, c'est pas grave. L'important de cette map, c'est vraiment de la finir. Oh.
Oh, il m'a dépassé à la fin. Finir, c'est vraiment trop fort cette map. Moi, je vois, j'ai des couilles. Moi, comment j'ai des couilles. Moi, je jure que mes couilles, les gars, elles sont en métal, frérot, elles sont en acier. Moi, j'ai des couilles, les gars. D'hippopotame, de mammouth, de tout ce que tu veux. Ouah, j'ai des couilles. Alors là, j'avais tellement de retard. Oh non. Oh non. Trop speed. Ok, c'est bon, j'ai fait la même chose. C'est pas grave. C'est pas grave, j'ai une run au carton. Les deux autres étaient pas dégueu. Enfin, en termes de classement, donc bon. C'est pas grave. Il reste plus beaucoup de maps. On y va. Non. Oh. C'est dommage, mais vas-y, c'est le jeu. Il reste une map sur celle-là. Allez, on y va, on fait un bon temps et on a rattrapé pas mal de notre retard. Ouh. Oh, j'ai eu chaud. Hein. Non. Oh non. J'ai release. Je suis dépité d'avoir release, c'est pas grave. Bah, c'est le jeu, il y a des gens qui vont se louper, on va finir la map, nous. On a limité la casse. Allez, plus qu'une map. C'est la pire map en dernier, les gars. Mais, on peut faire quelque chose. La dernière map est la plus dure parce qu'il y a le start qui est assez random avec ce backflip qui, des fois, va nous faire bien atterrir et des fois, pas du tout. Non. Oh non, vraiment, sérieusement? Allez, putain, ça commence bien. Bon, c'est pas ça, hein. C'est vraiment pas ça qu'il faut que je fasse. Non, oh non. Oh non, ça pouvait pas être bien. J'ai pas le droit au bonheur. J'ai pas le droit au bonheur. Ah, je suis dépité, quoi, de pas avoir de start, vraiment. Hein. Bon, j'ai fait ma glace. 20ème. Bon, c'est fini. Ça va, les gars? Moi, ça va pas. Bon, c'est pas ouf, on est d'accord. Hein. Je suis dégoûté, mais j'espère au moins je fais top 40. Au moins top 40. Sinon, je suis foutu pour le puzzle. 3025. Je suis top 35, alors, ça veut dire. Merci, 35ème, merci. Bon, ça va. Ok, le puzzle. Bon, les gars, puzzle, objectif top 100. Voilà, dinguerie, les gars. On va jouer au puzzle et on joue pas ici. C'est-à-dire que je ne pourrai pas vous live le puzzle. Le puzzle est l'épreuve scolaire de cette ZLAN. Un puzzle de 100 pièces sur le thème de la ZLAN. Je m'étais un petit peu entraîné, mais la seule chose que je retiens, c'est que je suis vraiment pas bon. Pour valider son puzzle, ça. Eh bien, il va falloir, une fois qu'on a fini, on retourne à son ordinateur. Vous avez vu que c'est à quoi? 30 mètres. Il appuie sur « J'ai fini ». C'est ça. Et à ce moment-là, ça nous le met sur le classement général. De toute façon, quand tout le monde sera rentré, je vais faire un rappel des règles. Je crois qu'il reste quasiment personne. Il reste 2-3 personnes. Okay. Et ensuite, je vais faire un rappel des règles. Voilà. Comment vous sentez-vous sur rien? Et il peut pas parler. Il est d'accord. Mais il est d'accord. Il surveille. Donc, il surveille, mesdames bien. Et messieurs, on est prêt au niveau de la surveillance. Je vais demander à monsieur de demander le silence dans la salle. Sans micro, c'est pas la peine. Sans micro, il a pas besoin, non. C'est toujours efficace, hein. Ouais, du coup, il y a encore plus de bruit. Donc déjà, vous avez devant vous un puzzle de 100 pièces avec la difficulté la plus faible, comme vous avez vu sur vos boîtes. Normalement, ça devrait vous prendre entre une dizaine et une trentaine de minutes, peut-être moins pour les plus rapides d'entre vous. Je précise qu'une fois que vous avez fini votre puzzle, donc c'est-à-dire que toutes les pièces sont assemblées sur votre table, vous devez aller à votre ordinateur et valider que vous avez fini sur votre ordinateur. Et c'est seulement à ce moment-là que le puzzle sera comptabilisé comme terminé. À mon top, vous retournerez les boîtes. Quand vous repartez à vos tables, pas de coup d'épaule, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, tous devant vos boîtes de puzzle, vous ne retournerez que quand je vous dirai go. Vous êtes prêts? Ça démarre dans 3, 2, 1, c'est parti! Bonne chance à tous! Alors déjà, l'ouverture, c'est un challenge. C'est un puzzle à l'effigie de la ZLAN, tout simplement, avec des petites planètes. Et surtout, tu vas voir,
des petites têtes, des casters un peu sur les côtés, voilà. Moi je tiens à dire, oui, j'avais dit 5 minutes si le puzzle faisait cette taille. Genre si c'était échelle 1. Hein. Ah oui, ah non, bah non, bah non. Mais non. En fait, il est bien plus grand que la c'est boîte. C'est beaucoup plus gros. Il est bien plus gros que la boîte. Donc pas 5 minutes, je retire. Écoute, voilà, je propose qu'on passe. Ouais, hein, regarde un peu. Hein. Alors le seul problème, c'est que si tu m'entends plus. Ouais, moi je t'entends. Non, mais je t'entends avec le. Ah oui. Globalement, on arrive à un moment où les gens qui sont premiers ont fini tous les bords. Oui. Et là, ça, là, on arrive dans le cœur du sujet. Quoi. Oh, ça avance tranquillement. Une photobombe, le selfie d'un surveillant. Non, ouais. Ah, mesdames non, et là... messieurs, ça fait déjà 10 minutes que vous faites le puzzle. Il vous reste 20 minutes. Que 10 minutes, hein. On peut peut-être surveiller s'il est sur le point de finir. Bah, j'ai pas du tout envie de le. Non, mais on se met sur le côté. Non, mais il arrive, il lui reste deux pièces. Oh là là, deux pièces. La dernière pièce, ah, et c'est fait. Oh, il y va, nous avons notre premier gagnant. Petite foulée quand même. Axino. Petite foulée. Qui est en train de partir à son setup. Il m'a l'air tout à fait athlétique. Oui, il a l'air. Non, mais sain de corps et d'esprit. Ce jeune homme m'a l'air tout à fait athlétique. Il va aller à son ordinateur. Et ce sera un time, évidemment. Très très fort. Il est un peu loin. Et hop, c'est là. Un time. 11 minutes 33 et 96 millièmes. Bravo. Pour bravo, Axino. Oh non, qui va time en premier? Prends-lui le t-shirt. Oh, mais qu'est-ce que ça court? Attends, ça joue sa vie. Ah, mais ça joue, mais bien sûr, ça joue. Ça joue sa vie, ils vont à leur place. Ça va appuyer sur espace en premier. Encore oui, un, il aura time un. C'est électricien. Encore qui a time en premier. Mesdames et messieurs, il vous reste moins de 15 minutes à l'instant. Ah, mais en fait, t'avais raison, plein vont pas finir. Non, pas plein vont pas finir. Je pense que. Il restera une vingtaine, peut-être trentaine de personnes. Mais je te dis qu'on a testé, tu vois. Mesdames et messieurs, il ne vous reste que 10 minutes. Il y a 160 personnes qui n'ont pas terminé. 160 personnes. 160. Là, il y en a beaucoup qui sont très très proches de la fin. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on est au deuxième tiers. Là, on arrive au dernier tiers de l'épreuve. Tout le monde est en train de se finir. Donc, tranquille. Là, le stress, hein. 9 minutes. Hein. Chaque 9 minute qui passe, ça met une petite pression quand même. Non. Et alors, je rappelle que donc, tous ceux qui n'auront pas fini seront donc à égalité, comme s'ils avaient tous fini à la dernière place à égalité. C'est ça. À voir s'ils ont bien réussi à perdre sur les deux jeux d'avant. Oui. Pour être capitaine. Il reste 5 minutes et on a même pas encore la moitié, quoi. Ouais. On vous avez pas surestimé, la moitié. Je pense. Hein. Je t'avais dit, hein. Surestimé sur la. Moi, j'avais dit à peu près, voilà, 160, 180. Il vous reste après 5 minutes. Ouais, tu t'avances peut-être en 5 minutes, il y aura. Vous avez largement le temps de finir. On a donc une centaine de personnes qui ont fini, ça y est. Hein. 3 minutes 53. Jeu. Il vous reste une minute. Pour l'instant, 10, c'est... Ah non mais là, oh, il y en a un qui part. Allez, allez, oh, 7, c'est mort. 6, c'est pas par là. 5, 4, 3, 2, 1, levez les mains s'il vous plaît, c'est terminé. Bravo à vous, bravo à toutes et à tous. Vous pouvez aller vous rasseoir à vos ordinateurs, félicitations. Je me suis régalé, c'était bon enfant. Bon après je dis ça parce que je suis caster bien sûr. Hein, mais... Donc on a quoi? On a une 130aine de personnes qui ont terminé, ouais, c'est on ça. Va dire. Donc ça fait 70 personnes qui vont être égalisées. Tu peux nous donner ton cher les enjeux, 50 000 balles. Non, les enjeux pour... Ça va en vrai, tu vas... Je suis dépité. Je suis deg, c'est la vie, hein. Vous voulez savoir un truc, 10 minutes, je finissais. J'étais pas loin, hein. Jamais je suis top 40. Je suis fini les gars, je vais me faire voter, c'est fini hein. Je vous le dis hein. Ça pour jouer Valo maintenant. Putain. Dépité quoi. Si jamais je touche un puzzle de ma vie. Jeu de mort. Je suis dépité quoi. J'avais un bon classement et là ça m'a baisé quoi. Le puzzle m'a baisé. Une blague. Finir 80ème. Ah vraiment. J'ai jamais fait une bonne épreuve scolaire dans toutes les Ilan. J'ai jamais fait une bonne épreuve scolaire. Et bien Gep qui est passé à la 3ème place alors qu'il était 26ème. Ah c'est bon. Je suis abattu. C'est une blague. Je pense qu'on me fait une blague. Je pense qu'il y a un admin qui me fait une blague, c'est pas possible. C'est pas possible. Il s'est vraiment passé ça, genre. Waouh. Ouais, je suis choqué. Je suis vraiment choqué.
Les gars, dites pas machin va te piquer. Il y a 19 personnes avant Jimmy. Ok ? C'est-à-dire que dans ces 18 personnes-là, il y a 18 qui peuvent me piquer, perdre et me voter. Voilà. Là, j'ai juste Inz Malan. Et j'assume, c'est tout. Non, en vrai de vrai. En vrai de vrai. Mental de winner. On est dépité. Mais c'est pas grave. Maintenant, notre destin, c'est d'être pique par je sais qui. Je vais être la pute d'un capitaine et je sais pas qui. Et c'est simple, si on ne gagne pas, je suis dans la merde. Bon, et bien écoutez, on va passer à cette phase tant attendue. Donc vous avez vu un petit peu la gueule du classement général tout à l'heure avec nos 40 capitaines. Je vais appeler tous les capitaines qui vont devoir se ranger un par un dans l'ordre où je les appelle. C'est très important puisque ils vont choisir... Ils vont choisir un par un, bien sûr, les joueurs. Donc c'est classé par ordre alphabétique. Donc tu choisis, tu fais valider et tu passes à ton voisin. Vous choisissez tous au fur et à mesure. On a donc Gep qui va choisir. Tout le monde se dépêche, vous inquiétez pas. Faites au plus vite, vous récupérez. J'espère que j'espère qu'il va me pique. J'espère qu'il va me pique Jimmy. La LAN. Allez Jimmy. Connaître ses ennemis, c'est le point le plus important. Il faut connaître ses ennemis, c'est le point le plus important dans cette Zilan. Je vois très bien plusieurs les profils minimum diamants. Merci Jimmy. Encore plusieurs profils minimum diamants. Qui ne sont pas sélectionnés. Encore assis. Et qui ne sont pas sélectionnés. Bon alors, je vous donne ça. En attente de la régie. Écoute, allez-y, passez-vous la tablette, faites votre vie, c'est trois joueurs, le plus vite possible évidemment. Et voilà, on se régale. Et, allez, faut que Jim fasse le bon choix. Et hop. Alex. Et ça va valider. Oui. Prenez, Il y a une équipe, c'est Bichard qui hurle comme un veau de sa place. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ils sont contents. Ils sont contents du pic. Non, c'est bien, Non, il est trop gentil. C'est qui comme ça? Comment il s'appelle? C'est Lurol. Lurol, je m'en souviendrai. Trop mimes. Du coup, ouais, c'est bon, gars, par contre. Merci, Dieu. Ma vie, ça clique. D'accord. Honnêtement, content de l'équipe. J'ai vu Samy, très heureux de voir Samy. Moi perso, je vais pas de strat ni de quoi que ce soit sur qui je vais voter car on va gagner. Donc en vrai, la question se pose pas. Tu veux comment Jim, c'est toi le capitaine Jimmy Boy. Vas-y, mais go commence attaque. On commence attaque ? Ouais, okay. Allez. Aujourd'hui. GL les gars. Allez, GL, on y va. C'est tout bon, mes configs sont bonnes. On y va. Non, mais non, t'as vu, très bonne. Allez, let's go. On va s'affronter désormais sur Valorant. Équipe contre équipe, et l'équipe qui gagne garde ses joueurs, l'équipe qui perd va voter pour un de ses joueurs. Et pour cette étape 2, notre équipe est composée de Jimmy Boy, moi bien évidemment, Blazix, Poachimpa et Maivis. Des gens avec qui je m'entends très bien, avec qui je suis très content de jouer, mais malheureusement j'ai un peu peur de perdre et de devoir éliminer quelqu'un. Alors ne loquez pas, juste on prépique, bon Maivis pas grave. Bon bah allez go. On part là-dessus, go lock. Allez. Alors on commence en attaque. Killjoy, Sage, KO, Omen, Fade. Ok. Moi je vous le dis, en première attaque, c'est peut-être un call de merde, mais un petit C, ça se tente. On pousse C, go. Allez, on y va, c'est Smoke, allez, on y va. Go, on avance. Ok, sur le site, derrière le site, front site. Ok. Il faut allez, tuer. Avancez, restez pas bloqué. Avancez. Mort. Faut plante, pitié. Short, y'en a deux. Aïe. Lance. Pas safe, fils. Non, les gars, arrête. Ah, dommage. Ah, on avance, on s'arrête pas. Ouais, mais il faut que tu avances, Maivis. Faut pas que tu restes dans la smoke. Ok, GG. Ok, planté. Vas-y. Oui. Ok. On tente un C. Il faut que tu smoke là et on rush, on va tout droit, ok. On va sur C, ok. On rotate, vas-y, c'est. Moi j'ai besoin. Derrière nous, les gars, vous êtes passés à côté. Y'a personne qui a leak. Regardez, non. C'est pas grave. Ils sont tous les trois, j'en ai eu un, il en speak deux. Backside. Ah, mais ils sont sur site. Un backside, un sur site. Faut que tu pêches, Poa. Ah, bien joué, Poa. Bien joué, vraiment trop intelligent. C'est bon, il a bougé. Vas-y, go. Okay. Vas-y, planté.
Plante. Ah c'est moi, c'est vrai, putain, mal. Hauteur, en hauteur. Ok. Très bien. Ok, c'est très bien. Voilà, on est 5, on meurt pas, on a tous nos armes, c'est très bien. Qui est le fond du site. Bien joué, Jimmy, vas-y. Allez, il m'a piqué. Gauche. Bien joué. Oui. On y va. Voilà. Backside, tout au fond. Derrière, les deux derrière. Hauteur. Ok, c'est bien, deux longues. Encore mort. Encore un. Oui. Voilà. On y va. On refait la même, c'est le dernier round. Après on passe défense, ok. Oui, attention derrière encore, oubliez pas. Allez, c'est bon, nique ta mère. Allez, vite. C'est. Reprenez le spike, J'ai pas d'huile, on est 4-2. T'as mon cadavre, tu peux arriver direct. On est gagnant. Derrière moi, long. Oui! Voilà! Il m'en fait mal, ça arrive short. La short est longue, deux longues et trois shorts. C'est quoi ça? C'est soigné, il survit, ça. Oh wesh! Y'en a un derrière toi. Regarde à toi. Bien joué! Ouais, c'était difficile. Bien joué ça. Short qui décale longue. Ils ont pas le temps de poser normalement. Ça plante pas, cachez-vous. Blanc pas, c'est win. C'est win. Les jeux pas. Y'en a un deuxième poids, ouais, c'est bon, tu l'as. Parfait. Là, ça va être mid. Il est. Dernier sur site. Ils sont devant toi. Vas-y, défuse. Défuse! Trop tard. J'avais le temps, frère. Ok, faut y aller. On avance. Allez-y, tous ensemble. On y va. Let's go, courez. Il faut qu'on y aille, les gars. Qu'on y aille. A gauche. Lazix, faut vraiment que tu y ailles, Lazix. Sneak. Ça plante. Va ping. Non, là où j'ai ping. Deux là où j'ai ping. Ah, je peux flash. Je peux le faire, 2v1. Ah, dommage. Ils sont sur moi, vous pouvez avancer. C'est bien. Y'a Sage et Fate sur site. À ta droite, la Sage est à droite, Jimmy. T'as un HP. Tu peux pas descendre. Tu l'as vu? Dommage. Je suis bloqué. Vous êtes en 2v3. Il y aura 1v1. 3v1. Vous avez le spike. Reste là. On a le temps large. Non. Non, faut pas réa là. Oui, Jimmy, oui. Let's go, les gars, bien joué. T'avais pas besoin de réa là. Ok, il est là. Killjoy, putain. J'ai essayé d'aimer réa si tu veux. Je te la merde. Alors c'est Bichard hein, qui fait les POV switch. Ouais, alors là il est vraiment en train de. Préparez-vous le sac. En fait, il est en train de leur parler. Je vois qu'il est en train de parler au micro. Donc je pense qu'il doit essayer de voir où est tout le monde pour essayer de leur communiquer. On va pas demander à Bichard de faire quoi que Attention, ce soit en obsin. C'est fini. Mais ça a l'air d'être fini effectivement. Maevis 1v3. Oh, ça a tenté le cut. Du disrespect. Et c'est terminé. Bichard perdra sa partie. Il faudra donc éliminer quelqu'un dans cette game. Une game de plus. Ah, et t'as vu, ça fait. C'était vraiment winnable à la mort, mais bon. C'est dommage, les gars. Ouais, c'est terrible, hein. C'est terrible parce que là. Oh non. Oh non.
Et là c'est terrible parce que dans nos 5 joueurs, on doit en éliminer un. Sachant que Jimmy ne peut pas être voté, je peux théoriquement être voté. Dans le choix des potentielles personnes à aller en loser bracket, il y a Blazix, Poachimpa, Maevis et moi. Et là, deux cas de figure. Soit on vote au tableau de score sur Valorant, et dans ce cas, on élimine la dernière personne du scoreboard. Soit on vote à l'affinité, sachant que je m'entends bien avec toutes ces personnes. Blazix étant mon mate, forcément, j'ai pas envie d'éliminer. Bon bah, du coup, ce que j'ai compris, en gros, soit vous votez entre bots et c'est moi qui dégage, soit vous votez au tableau de bord et... Là, hein, c'est pas mal à qui. En vrai... Le pire, c'est que j'ai même plus le tableau de bord, donc je sais même pas qui est là. Ah, ouais, moi je vous connais pas spécialement, je vais faire au tableau de bord. Après, je sais que vous êtes potes, moi si vous êtes potes. Après, faut voir pour la suite, hein. Moi je sais que pour je suis pas mal. Je me suis mute, hein. Il y a des menteurs. Ouais, c'est pas mute. Il y a des menteurs. Mais s'il est meilleur que Poach sur Poach, je peux pas lui dire de dégager, quoi. Et qu'est-ce qu'il dit qu'il est meilleur que moi sur Poach? Ça pue, hein, pour toi là. Ça pue pour toi là. Je rigole zéro. Je rigole zéro. Allô, curé. Ah ouais, 30 secondes. 30 secondes, 30 secondes. Allez. J'ai pas pu voter. Les votes sont terminés. On a pas pu voter. On a pas voté. Alors c'est vrai, c'est un random. J'ai essayé de voter pour Blazix, mais malheureusement, mon vote n'a pas marché. En effet, on a mis trop de temps à se décider. Par conséquent, ça va être élimination aléatoire, sauf si quelqu'un avait déjà voté dans l'équipe. Et ça me met encore plus en stress parce que si quelqu'un a voté pour moi de manière random, je me fais éliminer alors que je n'ai même pas pu voter. Comme je vous le disais. Ah ! Trois équipes n'ont pas voté ! Donc ce sera désigné au hasard, hors capitaine, bien sûr. Et je crois que le livre de la mort est en route. Ah. Après ce qui se passera. Bonne chance à ceux qui sont éliminés. Je ferai un call dans la salle. Ok, alors. Tu peux pas derrière moi, on va voir le nom. Ah non, tu peux faire ça. Oh là là. Je t'ai mis une caméra sur. Ok. Premier éliminé. Il s'agit de 7. Blazix. Sklim 31. Jean Massier. La trahison, la trahison. La trahison, frère. Trahison au multigame. Vous êtes des putes, me fais pas de câlin. Je t'ai pas voté, je t'ai pas voté. Bande de putes. Je t'ai pas voté. Je ne vous parle plus, laissez-moi. Je t'ai pas voté. Ouais. Ouais. Bon bah c'est le jeu hein, c'est terrible mais c'est le jeu. Y'en a pas eu, tu m'en as pas voté. Si, si, je pense qu'il y a quelqu'un qui a voté. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ah bah t'es la seule, bah, mais t'es la seule du coup. Non, j'ai voté aussi. Voilà, voilà. Ah ok. J'ai okay, pas mérite les gars, je suis désolé. Hein. Vraiment, en vrai, mais non mais c'est le jeu, c'est le jeu, y'a rien. À côté de moi, il a cliqué sur Blazix, wesh. Et y'a eu marqué en haut quoi? Je m'en fous, tu voulais voter pour moi. Mais non, sois honnête. T'as joué combien de temps, frérot? Mais la tête d'homme, j'avais une minute de jeu. Voilà. ça c'est tu vois, je trouve que c'est comme le mec derrière là, au fond là, je sais pas qui, je connais pas son pseudo, je suis désolé. Celui qui agite une baguette, là, tu sens qu'il a pas envie. Il a pas envie d'être là. Voilà. Bichard, par contre, a très envie d'être là. Hein. Ouais. Bichard, énergie incroyable. Ah, sa macarène. Sa macarène, bien c'est sûr. C'est en train de macaréner. Dalle tu cuerpo allegrio a macarena, évidemment. De belles images, des images incroyables. Hein, des images, vraiment, ça c'est très beau. Voilà des joueurs qui s'impliquent, des joueurs qui ont envie d'y aller, des joueurs qui veulent jouer, hein, effectivement. Et moi aussi, j'ai envie de regarder. Aïe, j'ai envie de regarder un peu de gaming, bien sûr. L'étape 3 de cette ZLAN est sur Power Wash Simulator, un jeu où le but est tout simplement de nettoyer des structures, des murs et des jardins, et voilà. L'épreuve se joue en 4v4. Je me sentais pas spécialement à l'aise sur le jeu, Jimmy avait pas mal train, personnellement j'avais train moyennement. Poa avait un peu joué entre potes avant la ZLAN et Maevis avait très peu joué. L'objectif dans cette étape 3, c'est comme pour le Valorant. Dans ces étapes, on affronte l'équipe de Romain Jacques. Si on fait plus de pourcentage que lui, on élimine pas de joueur. Si on fait moins de pourcentage que lui, on devra voter pour un autre joueur en plus de notre équipe. Et pour suivre l'avancement de la partie, le pourcentage c'est en haut à gauche. Mesdames et messieurs, début de la game Power Wash dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti, let's go! On sprint, let's go, sprint. Allez, on prend l'extérieur, je prends ce côté-là, moi je vais de l'autre côté, let's go. Allez, on y va, on y va, gauche, droite, on s'arrête pas. Ah, il faut qu'on vous montre un truc. Les 36 POV de Power Wash. Regardez ce qu'on voit. Ça, c'est la régie. Juste le congrès national des tops de France, messieurs, dames. Oh, mesdames et messieurs, c'est vraiment l'e-sport en direct. L'e-sport. Oh, tous ces beuteux, c'est incroyable. Vous êtes 88 000 et on est en train de marquer l'histoire. La branlette, ça sert. Et par contre, on gagne, hein, j'ai pas envie d'avoir à refaire des votes. Ah, de ouf. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ah là, les gars, nice, ça.
C'est qui est en train de s'enjailler ce Powerwash là? Ah c'est bon ça, vas-y, nettoie. Ah ça cherche bien, Bichard. Ah oui, oui, là. Là je suis en train de lancer mon jet là. Allez Bichard. Oh je vais manger de partout là. Oh mon salaud, mais oh là 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 là. Ah c'est ma grande kiffance. Ah ouais ouais, hein, j'aime trop lâcher mon jet comme ça là. Les gars on est trop fort, genre juste continuons, on est trop fort, on va pas se voter, on s'aime. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? On est plus 2%, voilà je le dis honnêtement. Qu'est-ce qu'on le maîtrise ce jet là? Voilà mec, regarde je fais ça pour les Québécois, let's go. Les quoi? Tue sa mère. Peur. Les Québécois. Quoi coubé? Oh merde. J'ai le droit de rigoler, c'est bon. Non mais c'est... Oh, tu veux que je lance ton jet à ta place ou quoi là? J'ai trop mal au bras. Continue le Bichard. C'est très bizarre, regardez. La plus grande LAN de France. Je vois Jimmy Boy, il est tranquille en train de laver les petits escaliers là. Ne reste que 1 minute. Oh non, trop chiant, c'est bientôt fini. Oh non. C'est fini dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est fini. Ah Romain Jacques 53% les gars, on a gagné. Les pourcentages c'est en haut à gauche. On est top 3 Powerwash. Oh excuse-moi. On est top 3 Powerwash les gars. Alors d'abord techniquement j'ai pas été éliminé, j'ai remporté un vote et une élection. Je tiens d'ailleurs à remercier mes électeurs. Oh gentil légende. C'est la fin de cette première journée de Zilan. Je suis très content de la journée. J'ai perdu un frère aujourd'hui les gars et je m'en porte très très mal. Je l'ai pas trahi. Je l'ai pas voté. Il y a quand même eu un numéro de claquette fameux. Ah ouais ouais. Ouais. Les amis, j'espère que vous avez kiffé la journée d'aujourd'hui. C'est la fin de ce premier jour de Zilan 2023. J'espère que ça vous aura plu. On se donne rendez-vous demain pour le deuxième jour avec, je pense, un ami qui va accepter la défaite et peut-être m'accepter en tant qu'ami. Je vous fais un bisou les amis. Demain les gars, c'est... Et soit on fait top 20 et on va au vote, soit c'est loser bracket les gars. A demain, merci, bisous. On dirait que c'est une youtubeuse. Ciao. Salut les amis. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Bichbich, on se retrouve pour un nouveau stream. Comment ça va l'équipe? On est de retour pour la ZLAN. J'espère que vous allez très bien. On est très chaud et très heureux de relancer cette journée de LAN, quoi. C'est le début de la deuxième journée. Bad life, oui. Non, c'est vrai? Bad life. Tu coupes ça tout de suite. Oh, c'est vrai? Oui, tu coupes. On nous a dit? Non, non, il y a le waiting screen, mais pas avant. Ah, putain, merde! Je remets. Tu me coupes ça tout de suite. Oh, la dingue. Oh, j'ai eu trop peur. T'es là, toi, mais qu'est-ce que tu fais, là? Je vais juste. Je suis en live. Ah ouais merde. Salut hein. Allez hein. Allez salut Samy. Bisous. Alors les amis, on va aller sur Garry's Mod. Et dans ce deuxième jour de Zilan, on n'oublie pas les petites voix off des étapes. On passe à l'étape 4, mesdames et messieurs. Comme pour l'étape 1. On se retrouve tous à nouveau solo en FFA, on est 160 joueurs encore en lice dans le winner bracket. On va s'affronter sur deux jeux, Garry's Mod et You Suck at Parking. Le but, finir encore dans les top 40 premiers pour être encore capitaine pour la phase d'après, sachant que si on finit dans les 40 derniers des 160 joueurs, on sera en loser bracket, donc en repêchage. On commence tout de suite avec le premier jeu qui est Garry's Mod. Si on arrive à aller jusqu'au vote, c'est une perf. D'ailleurs, je vous le dis, mais je remercie aussi Start, hein, qui m'accompagne aussi, j'ai oublié de le dire hier. Mais j'ai un sponsor pour la ZLAN et les 3 prochains mois qui est Start Esport. Vous avez des... qui font des configs PC, hardware, etc. Donc si vous avez besoin d'un PC ou de composants PC ou même de clavier, de souris, etc. Vous pouvez aller visiter le site et vous avez un code de réduction. Ok, on y va les gars. C'est parti. J'ai envie d'être capitaine aujourd'hui les gars, j'ai pas été hier. Sur mes jeux. Là, je vous mens pas, j'ai envie d'être capitaine genre. J'ai pas été hier alors que bon. Ça aurait pu être les jeux où j'aurais pu être capitaine quoi. Ok, on y va les gars. Oh.
Le jeu est simple. Ok. Top 4, c'est ok. Le jeu est simple. Allez. Allez. Je suis en PB. C'est mon PB. C'est mon PB. Je viens de PB. Mec, je suis trop content de ma run là. Honnêtement, je... Oh là là. On continue, on lâche rien. Ok, nouvelle map. Le karma. J'ai pas eu le boost qu'il fallait. J'ai eu un boost bugué. Dans ce cas, bah HF, hein. Quand on a des boosts buggés comme ça, on peut rien faire. Hein. Vous voyez, comparé à la dernière map où c'était vraiment... Il y avait un peu de skill et voilà, là cette map c'est vraiment juste bah... Tu pars en premier, t'es bien quoi. Ok. Top 3. C'est ok. Ok, top 3, c'est ok. J'ai fait un début de map tellement chier, mais la fin était vraiment bien. J'arrive plus à enchaîner. Ok, c'est bon, j'ai fini. Bon, c'est un peu moins bien que tout à l'heure, mais... J'ai eu un peu moins de chance. Voilà, c'est le genre de boost où genre tu peux même pas contrôler ton personnage quoi. Mais pourquoi j'ai pas le bunny genre. Et là aussi j'ai pas le saut quoi, putain, c'est vraiment... Quoi? J'ai pas eu le checkpoint. J'ai pas eu le checkpoint. Oh, c'est une blague. C'est un peu chiant quoi. Ok, on y va. On y va les gars. Excusez-moi les gars, j'avais bébé. On y va, on continue. Ah ! Comment ça, cher ? Tu devrais avoir honte ! Oh ! J'ai pas eu le start. Non, oh, je me suis fait... T'es un bâtard, Nathéus. Oh, le chien. Il m'a dépassé à la fin. J'ai pas eu le start, tu dégue. C'est la dernière map, les gars. On y va à fond. Si on la finit, c'est bien, les gars. Vraiment, si on la finit, c'est bien. Non, mais je suis un troller. C'est pas possible, je suis vraiment un troller. Oh, je suis un giga troller. Oh, je vais tellement perdre toutes mes places sur ce truc. Je pourrais pas finir. Il faut vraiment que je... Ah si, je peux finir, ouais. Peut-être pas, non. J'aurais pu finir. J'aurais pu finir la run. Je suis dépité. Mais ferme ta gueule, Bichard. Là, je l'entends, il est derrière moi, mais j'en peux plus, frère. J'ai chaud, sa mère. J'en peux plus de l'entendre gueuler tout le temps, là. Donc, quand vous l'entendez pas, genre, je vous jure, Ponk, ça doit être un enfer à côté de lui. Hein. J'ai chaud, sa mère. Non, je suis une merde. Oh, je suis une double merde. Je suis un choker sur cette map. Putain. Je suis vraiment un choker. Allez, on va essayer d'en faire une bien sur cette map, ce serait bien que je choque pas trop. J'ai encore PB, hein. Oh là 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 là! Oh, le plaisir! Le plaisir! J'ai PB 3 fois sur la LAN. C'est fini, Garry's Mod, c'est fini! Bon, en vrai, si je suis top 30 sur Garry's Mod, je suis content. Il y a les réseaux chez Zera. Tu l'as bouffé? T'as mon classement, mon Nico? Mon cher Bichard, tu es 22ème. Non! Mais si! Jure! Je le vois sous mes yeux. Wouah! Top 22! C'est une dinguerie! J'ai fait la perf de ma vie? J'ai fait la perf de la LAN. Elle est là. On a les lobbies? Oh non, la blague. Oh non, la blague. C'est quoi mon lobby là? Wingo, Sir Win, Wheezy. Les 4 là, ils ont train de fou et les autres, je sais pas. J'ai un lobby de fou, non mais c'est pas possible, laissez-moi jouer! Je te win pas, Wingo. Moi, je te win pas.
Si je te vois devant, je te laisse te placer, Wingo. Non, vraiment, sérieusement. Je vais le défoncer. Non, je rigole, je rigole. Allez, bah on y va, hein. GL, Wingo. Oh. Ok, celle-là, on la connaît. On la connaît, j'ai même pas besoin de regarder. Non. Allez, je suis droit, là. Ok, c'est ok. C'est ok, c'est pas fou. Mais c'est ok. C'est une map connue. Donc, les gens étaient chauds. Il faut que je remonte. Il faut que je fasse un top 1. Faut au moins, même s'il y a Wingo, faut au moins que je fasse top 2 sur cette map. Ok. Première map. Ok. Ok. Ok, il y a un cut à droite là. Ok, je m'en souviens. On y va, on continue. Je l'ai pas eu. Oh là là, mais je fais de la. Je ponds une de ces bouses. Ok, c'est ok, j'ai fondu une de ces bouses, mais les cuts m'ont sauvé. Oh là 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 là. C'est une game stack, ouais, ouais, les gens sont pas mauvais. Hein. Ok, il prend de l'avance, Wingo. Il prend de l'avance, et il a raison. Là, il peut finir même... J'ai jamais joué cette map. Ah, chef. Oh, les chiens. Je savais pas. Je suis parti un peu dans tous les sens, donc j'avoue que... Je sais plus trop où je dois aller. Ah, j'ai fait de la merde, j'ai fait de la merde. En plus sur Win fini premier, il va me dépasser. Oh, j'ai fait de la merde. Je l'ai jamais joué, je l'ai jamais joué. J'ai 30 heures de jeu, j'ai jamais joué cette map. Bref. Allez, on continue. Putain. Putain, il m'a mis une pincette sur Win là. Regardez quoi, tout le monde fait les cuts et tout, alors tout le monde est chaud. Il est trop chaud sur Winnie, il est trop chaud. Oh, Wizzy. Oh. Oh, je suis... Oh, je serai jamais capitaine. Putain, le lobby est tellement stack. Bon, on continue. Prochaine map. Oh putain, mais attendez, on a tous les mêmes maps. Pour qu'ils viennent avoir cette map. Elle est horrible, cette map. Non, 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 non! Non! Putain, mais c'est une blague! C'est une blague! C'est une blague, j'avais une roue dessus! J'avais le top 2, j'avais le top 2. Oh, y'a le cut. C'est la map avec le cut. Y'en a une tout au fond, à ne pas oublier. Y'en a deux là-haut. Allez, Bichard là! Allez, Bichard! Il est en full try, hein. Voilà. J'ai chaud, mec. Voilà, Bichard. J'ai chaud. Quand je t'ai vu prendre le 4, Wingo, je me suis dit... Ok, c'est ok. Ok, sur Win est loin. Si Wizzy finit avant, ça m'arrange. Vas-y, Wizzy, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, non, Wizzy. Vas-y, Wizzy. Ah, mais je vais vous... Bon, allez, ça va souffler. Oh, oh, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie ce que t'as fait. Alors on a eu marre du cut, elle s'est dit, vas-y, je me casse, j'en ai... Ok, top 3. Top 3, je suis pas très loin de Kaylon. Je suis pas très loin de Wingo aussi. Oh, celle-là, je la connais. Oh, celle-là, je la connais. Oh, celle-là, je la connais, je l'ai beaucoup joué. C'est dur, hein, c'est dur la glace. Ouh. Ok, ok. Ça va, ça va. On mange des places comme on peut, mais on mange des places, c'est très très bien. Il faut pas que je faille la dernière. Il faut pas que je fasse un top 4, 5 dernière. Genre vraiment. Ça, c'est tellement close. Voilà, si Kaylon finit devant moi. C'est pas grave. Putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Avancez! C'est trop, ouais. Ok, il se passe dinguerie. On accepte, on joue pour ça. Non, mais c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. J'ai trop fait de la merde. Putain. Ah, je suis foutu, hein. Alors là.
plus fine par les gens. Et moi un peu. Putain. Je finis pas top 2 à cause de ça. Je finis pas top 2 à cause de ça. Putain. Oh, je suis top 2. Je suis top 2, mais égalité. Mais non, 2, 3, 4, on est tous égalité. Non. Oh, le chien. Comment ça se fait que j'ai celle-là? Comment ça se fait? Attendez, quoi? Je fais de la merde, je fais de la merde, je fais de la merde. Ils sont trop forts, ils sont vraiment trop forts. La bingo est trop fort, quoi. Ah ouais, Sorwin, il a pas loupé sa run. Oh, je fais un classement de merde, je fais un classement de merde. J'ai pas fait un top 1 sur Isap. Par contre, il y a une place, j'ai eu, je sais pas comment. Je vais pas faire top 40. C'est foutu, les gars. Bon, allez. Hein. J'ai pas fait une run débile. Hein. En dehors de un respawn, j'ai pas fait une run débile. C'est une dinguerie comment les gens avancent pas sur le jeu. Bon, j'ai fait que de la merde. Ça va être 7ème, 6ème. C'est fini? J'en ai fait 4 ou pas? Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Je vais refinir 41ème. Oh, comment je vais avoir le seum. Oh, comment je vais avoir le seum. On va regarder le live de Zera et on va attendre notre sentence. C'est dommage. Parce qu'on avait fait un vraiment très bien sur Garry's Mod. A chaque fois, je fais un bon truc au premier jeu et je choque le deuxième, quoi. Grand drame. Oh, très classe, Alunea. Wati Alunea. Mais il y a beaucoup de gens qui se sont bien sapés. C'est vrai hein. Que pendant longtemps, franchement, c'était un peu Bichard et Skyheart qui étaient de la team chemise ouais, verte. C'est vrai que c'était ouais. Moi, je pense que je vais faire une tier list. C'est vrai. Voilà, du flow de chacun. Hein. Tier list du flow de la Zilan. Tier list Zilan. Je vais prendre toutes les photos de Chloé, là. Voilà, les gars. Non, mais voilà. Écoutez, pourquoi gagner une Zilan quand t'es top 1 en termes de sap à la Zlan? Ok, on a les classements. Et on aura donc les 40. Les classements, les classements. C'est formidable. Parce que. Moi, le problème. Ah non, on les a pas. Elles sont. Elles sont. Je suis capitaine. Non, mais ok. Je suis capitaine. Remets-toi à la page 1, excuse-moi. Je regarde ça à la fin aussi du capitaine avec Bichard et Wan. Et donc, on aura une égalité. Tellement loin sous Yusek. Qu'est-ce qui se passe alors? J'ai fait tellement loin sous Yusek. Je crois que tu sais ce qui se passe. Et finir. Attendez, deux secondes. Ça veut dire que nous, on doit choisir des mates entre les 40 et 120, c'est ça? Waouh! J'ai la chance d'être capitaine en avant-dernier, 39ème. Je suis vraiment pas très content de mon placement. Je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Étant donné que je suis 39ème, j'ai pas vraiment l'embarras du choix. C'est-à-dire que 38 personnes avant moi ont pu sélectionner les meilleurs joueurs. Et en tant que capitaine d'équipe, je dois penser à gagner pour essayer de sauver les deux joueurs qui seront avec moi. L'étape 5 est composée du jeu Shootmania, donc il faut un joueur qui ait déjà un peu les mécaniques de Shootmania. Et l'étape 6 est composée du jeu Northgard. Donc pareil, il faut que je prenne un joueur qui a déjà joué à Northgard ou dont je connais déjà un peu près le pseudo. La seule personne qui correspond à ces deux critères est Wheezy, streameuse qui de base est sur Just Dance. Je l'ai vu beaucoup trade la Zlan, aussi bien sur Northgard que Shootmania. Et comme je m'entends bien avec elle, eh ben, j'ai décidé de la prendre dans mon équipe. Pour le deuxième joueur, bah, il restait que deux choix, étant donné que c'était le deuxième passage, il restait que deux joueurs à prendre. Et j'ai décidé de prendre Balt, parce que j'ai fait un pile ou face et que je le connaissais pas très bien. Sachant que, attendez, dans la suite du format, c'est quoi? C'est Northgard? ne te blesse pas, hein. Attention au claquage. Hein. Attention, on mord pas la ligne. Hein. Je pense que je vais rapprocher le poteau à chaque lancer, à mon avis. Oh quoi? C'est étoile. J'ai envie de dire... J'ai envie de dire marié dans l'année. Marié dans l'année, félicitations Ryu. Les amis. Maintenant c'est là que c'est intéressant. Il y a des gens à aller chercher. Et j'ai pas mal de gens, il y a pas mal de gens. Je vous affiche le stream de Zera. On est de retour mesdames et messieurs, on est en pleine salle. Joueurs, et regardez, ils sont en train de se préparer. Ce sera juste derrière nous, juste là. On va assister à la phase de pic des joueurs, des capitaines. Ils sont en train de se placer, voilà. Donc la régie, vous pouvez m'envoyer le départ du pic des capitaines, parce qu'il y a déjà 90% des gens qui sont placés. Hein. Donc le temps que ça déroule, ça marche pas du tout, hein, si jamais. Il me tend un truc, c'est... Et donc, vous allez avoir, tout comme à votre habitude, vous commencez à avoir l'habitude, les viewers. Là, Loch Ness est en train de pick quelqu'un pour... Shootmania, sachant que là ils vont composer des équipes de 3 et qu'ensuite eh bien il faudra voter. Salut. Ça fait plaisir. Let's go. Et toi, la légende. La légende tout simplement.
lancé de câble réseau, bien sûr. On a Bichard juste derrière, regardez. Alors Bichard, voilà, capitaine. T'étais capitaine de la première phase ? Non, j'étais 41ème. C'est bien ce que je me disais, 41ème. Mais là, tu l'es. Oui, enfin. Content. Très content. C'était ce que je voulais. Après, Yusekat Parking, hein. Quand même. Malheureusement, j'ai eu un lobby très chaud. Les gens étaient très stackés et en fait, bah, au bout d'un moment, tout le monde finissait plus ou moins au même moment. Et du coup, soit tu faisais premier, deuxième, soit tu faisais quatrième, cinquième. Et ça m'est arrivé une ou deux fois et du coup, bah voilà. Est-ce que tu préfères être 41ème et être pick par un bon joueur ou être quand même dans les derniers capitaines et donc avec pas beaucoup de choix, mais avoir une immunité ? C'est quoi le mieux ? Là, actuellement, le mieux, c'est d'être capitaine 1000 fois parce que là, je peux me faire pick par un bon joueur, mais il suffit qu'on perde une game. C'est comme c'est le capitaine qui va choisir, qui va déterminer. C'est FF. Voilà, c'est FF pour moi. Donc là, je suis bien, je suis capitaine, même si j'ai pas trop le choix au niveau des gens, au moins je suis capitaine et je sais que je vais dans le top 60. Voilà, je crois que tout est dit, la stratégie est très bonne. Et vous voyez, on est en train de terminer justement les choix avec Kenny qui a choisi ses joueurs. Bichard justement qui va compléter son choix. Alors il reste pas forcément que des pseudos qu'on connaît évidemment, hein, mais Bichard qui va pouvoir sélectionner. On va voir sur quoi son choix va... Ouais, biche. Il va choisir Wheezy. Dire. Et là, vous voyez, comme on a fait les premiers pick and ban de jeu, tiens, regarde, tourne vers là-bas. Là, on voit notre Michel qui est en train de remonter toute la file avec la tablette et qui va repasser la tablette au premier capitaine pour sélectionner le dernier joueur de l'équipe, ce qui va faire donc le dernier joueur pour compléter le trio qui va permettre de jouer Bichard avec le flow, bien sûr. Et il a pris au hasard, il reste pas grand monde, hein. Il a pris Wheezy et Dadland. Pour Shootmania, les règles sont simples. 3 joueurs s'affrontent contre 3 joueurs. Par manche d'attaque et de défense, il y a un attaquant de chaque équipe qui attaque contre les 3 défenseurs. Chaque manche, un attaquant d'une équipe qui a une arme qui one-shot va s'affronter contre les 3 autres défenseurs de l'équipe adverse. La première équipe en 9 points a gagné. Hey, salut, ça va ? On est parti, mesdames et messieurs, pour la prochaine étape. Alors oui, Wheezy, c'est cool pour Northgard. Premier degré, Wheezy, c'est cool pour Northgard. On est parti. On est chaud. Ouais, je vais jouer au slow sur Shootmania, mais c'est... On va perdre, mais on est qualifié jusqu'au top 60. Donc, en fait, je suis tranquille, quoi. Je suis vraiment tranquille. On va commencer en défense, c'est bien. Comme ça nous permettra de nous mettre en condition. C'est Oslo qui va commencer, c'est l'un des meilleurs, ok ? Ok. Donc, Wheezy, tu vas bien te placer là. Dad, tu passes bien ici. Et tu fais des gauche-droite et tu prends l'info. Ah, ok. Rush, il est au mid. Il est au mid. Ok, bon, one shot. Il est au mid, go Paul. Faut que t'ailles au Paul, hein. Faut que t'ailles beaucoup plus tôt. Vas-y, biche. Allez, bien joué. Oh là là. Non mais... Oh là là, mais biche. Allez, vas-y. Oh là là. Allez. Bien joué, ça. On y va. Oh là là, le 1v3. Allez, on peut, et honnêtement, on peut le faire. Ils ont pas des déplacements insane. On peut le faire. Ok, c'est bon, j'ai mis un coup. Ok. Bon, bien joué. Wow. Ouais. On y va, on continue. Ah ouais, en haut là. Il est du coup là à gauche. Ok. Wow. Dommage. Vise et tire, c'est bien. Vas-y, va sur le pôle. Il faut tenter le pôle. Il faut que je tente de l'avoir. Voilà, si vous pensez que vous aurez pas, vous en tuez un et vous tentez d'avoir le pôle, ok? Ouais. Ok. Voilà. Tu l'as vu, parfait. Il est vers vous. Il va sur le pôle, vas-y, fonce. On y va. Allez! Mais... C'est bien! On y va! On continue! Bien fait, encore! On continue! Ok, Dad, tu fais de ton mieux. Tu sais quoi? Garde la ligne à droite là, et dès qu'il pique, tu le dis. Bouge plus ton déjà, voilà. Voilà, ouais, parfait. Vas-y, va sur le pôle, reste là, bouge plus. Encore, ouais. Encore. Non, t'as sauté. Ah, dommage. C'était parfait. C'était parfait. Ça commence. Je suis désolé. Non, t'excuses pas, c'était parfait ce que t'as fait. T'as attendu, c'était parfait ce que t'as fait, vraiment. Ok, il arrive, je décale avec vous. Il est au mid, on peut le faire. Voilà. Ah, ouais. Ok, j'ai tué une fois. Il est sur le pôle, go, tirez. Allez. Bien joué. Voilà. Biche, en les blancs. Les 2 points d'écart, allez. Je sais pas comment ils m'ont battu. Bien joué. Allez. Oh là là. Yes.
Allez, on défend, on défend, on défend. Allez. Ça va le faire, ça va le faire. Allez, on défend, les gars. Il m'a baisé, ok. Désolé, c'est ma faute. Vous laissez push et vous tirez dans les pieds, c'est pas grave. Dalle blonde, tu tires pas, tu tires pas, tu laisses push et tu lui mets des balles dans les pieds. Pas tous en même temps, mais non. Ouais, il faut que tu tournes autour de lui. Il faut que t'ailles le chercher, c'est pas lui qui viendra te chercher, ok? Lui va se cacher. Tire le dessus. Il faut que t'ailles vraiment sur le pôle. Enfin, mais c'est dur de pas... C'est pas grave. Pas... Pas... Moi je sais pas attaquer, moi. Okay, ah ouais, il est encore droit. Mid. Mid, il redécale à gauche. Mid, il est mid. Ok, une fois. C'est bien joué. Ok, une fois. Il va me tirer dessus. Il est au mid, Mais non, maintenant. Ah, ok, GG. C'est bien, c'est très bien. C'est trop close. Prends des grands. Voilà. Non, bouge. Prends des grands espaces. Va sur le pôle. Commence à avancer. Tu tires. Va sur le pôle. Va vraiment dessus. Et tu fais du gauche-droite. Ne tire pas. Ne tire pas. Et là... Ah, putain, j'ai pas vu un droit. Ah, il est venu derrière. Dommage. Putain. Oh, bien joué. Allez. Non! Oh non! Putain, ah dommage. Vraiment, dès qu'elle arrive, on la groupe fort. Bien joué! Oh, allez! Oh là là! Dommage, attention quand même. Allez sur le test! Oh, bien joué! Non! Allez, on prend encore. Bah, je suis désolé. En gros, faut vraiment lui rentrer dedans, les gars. Ok? Là-bas? Droite. Voilà, il est au pôle maintenant. Bien joué. Easy. Ouais. Ouais, c'est moi. Ah ouais, 5 secondes. Attention. Là, faut que tu fonces. Fais attention quand tu vas. Non. Ah, mais. Désolé. Putain, c'est pété, excuse-moi, c'est pas grave. Bah, GG. Bon, bah, date, je suis désolé, mec. Ouais, bah tant pis, hein, fallait bien que ça arrive à un moment donné. Ouais, mais bon, c'est... Ouais, c'est pas forcément plus, cool, quoi. En plus, Wheezy, elle a traîné un peu Northgard et tout, donc... Jeter à Northgard, c'est du 2v2v2v2. Bon, bah écoutez, il est temps de voter quelqu'un, les gars. Bah merci, Blondie. Ouais, désolé, hein, du coup. Mesdames et messieurs, il est temps de voter. Et désolé à date blonde, je suis désolé, mais malheureusement, c'est pour toi. Voilà, j'ai voté, c'est terminé. Et je t'accorde, date blonde, un carton rouge. Carton rouge, sorti. Et loser bracket, un carton jaune. En espérant que ce carton jaune soit annulé à la mi-temps. Après la défaite sur Shootmania, on doit voter pour éliminer un membre de mon équipe. Et comme on est que 3 et que je ne peux pas être éliminé, c'est soit Wheezy, soit date blonde. Et du coup, c'est moi qui choisis qui on élimine. Étant donné que Wheezy avait plus train dans ce garde, et que j'avais plus d'affinité avec elle parce que je la connaissais depuis plus longtemps, bah j'ai décidé de voter Dadblonde. On enchaîne donc sur Northgard, 4 équipes s'affrontent, il y aura un seul gagnant. Si on perd, Wheezy sera éliminé. Alors contre qui on va jouer, mesdames et messieurs? On va jouer contre... Ah, Wheezy. GL. Allez Wheezy, on y va. C'est bien, on est sur une petite île. Enfin, une petite île, on est sur un petit côté là. Donc, tu as le droit de venir clear mes loups, ça peut t'améliorer ton militaire, tu vois. Par contre, tu me laisses juste les ours. Ok, des ours ici, du savoir ici. Tu me dis dès que t'as trouvé une de leurs zones. Ouais, t'inquiète. Bon, y a une de tes zones qui se fait cap. Hein. Ouais, ils vont tuer tous mes villageois là. À côté de Croco, hein, t'as vu. Bah, à gauche, y'a Croco. Enfin, t'es obligé d'aller chez Croco. Hein. Oui. Parce qu'ils ont un aigle dans l'équipe. Et du coup, ce qui est bien, c'est que tu sais, on peut vraiment faire une vraie ligne de défense. On est dans notre coin à nous, tu vois. C'est qui les rouges? C'est Wax et Croco. Il y a un rouge qui s'est plutôt bien étendu. Hein. Je peux commencer à les faire chier, je pense. Tu sais quoi, on va aller attaquer juste là. Comme ça, on va bloquer son fer. J'ai juste un peu fait chier, c'est ce que je voulais. Ouais, j'ai 11 de bonheur, ah ouais. Alors là ça ken. Hein. Waouh, là, ça copule beaucoup. Hein. Bon, je suis censé les embêter, mais j'arrive pas trop, donc bon. On va aller cap celle-là, il est collé à moi le mec. Hein. Je veux dire. On est tous collés là. Vous êtes attaqués, thank you. Tu veux que je vienne? Ah putain, ils sont il te faut une grosse attaque ou pas là? Là ils prennent juste cette zone là, mais. Ouais, ça a l'air. Je pense que viens en chaos, enfin viens avec un petit peu. On peut y aller, vas-y. Le chat pour on a l'air de le niquer. Hein. Ah ouais, c'est pour travailler.
Esprit d'Ancien. Bénéf. Vas-y, reste là. Je convertis encore un peu. Ça arrive. Il arrive, Croco, avec ses... Fais gaffe, il est en freeze. Moi aussi. Je l'ai peut-être utilisé trop tard. Ah là, je pense que ça va être chaud, la visite. Je pense aussi. Oh là, regarde là ce qui se passe là, ici. On a perdu. Ah oui, ils ont gagné à la... Ouais, à la renommée. Bon bah je suis désolé, Wizzy. Non mais c'était pas mal, c'était pas mal. C'est terrible. Tiens, je savais que ça allait être difficile. On passe désormais à l'étape 7. Après avoir perdu Shootmania et Northgard, j'ai éliminé mes deux alliés. Dans cette 7ème étape, on va s'affronter en solo sur 3 jeux. Trackmania, Shootmania et en dernier Golfgang. Shootmania a été remplacé par Fall Guys, étant donné que le jeu ne fonctionnait plus au moment de la LAN. Il y aura pas Fall Guys, le jeu marche pas. C'est vrai? Le bail là. Quoi? Il y a pas Fall Guys. Ouais, apparemment il y a pas Fall Guys. Ils ont fait un patch, ça a niqué les serveurs. Non, c'est vrai? Oh, y'a TM après, les gars. Zeral a dit son stream, y'a encore TM. Mais c'est quoi cette LAN TM friendly? C'est une dinguerie, hein. Alors, ça donne quoi, Bichebouche? Bah, écoutez, pour le moment, je suis dans l'objectif, je suis top 60. De base, j'avais un objectif top 32. Et top 16, si je perfais. Vraiment, je suis toujours dans l'objectif, mais j'aimerais bien quand même aller jusqu'au top 20, quoi. Parce que si je finis dans le top 20, je vais pouvoir être soumis au vote de tous les joueurs de la ZLAN. J'ai envie de tenter ça, quoi. Parce que oui, du coup, le vote du top 20, les gars, c'est pas pour éliminer, c'est pour amener deux personnes, en fait. Ouais, je vais jouer, je vais aller manger. Je vais sortir, je vais prendre l'air. Les gars, je vous laisse avec Samy. Wesh, les gars. Ça va? Ouais, les gars. Là, pour vous expliquer un peu, ça va être vraiment la période compliquée. Donc, en gros, il reste, comme vous le savez, il reste 60 personnes. Et en fait, l'objectif, c'est d'arriver top 20. Pour le vote, les gars. S'il arrive à atteindre le top 20, il a énormément de chances de se faire voter pour qu'il aille en finale. Bon, ça va être très très compliqué. Lui, ça lui ferait trop trop plaisir. Trop trop plaisir. Les gars, Bichard, il arrive. Je veux un chat qui est dingue. Il est là-dedans. Même pas 30 secondes. Je veux un chat qui devient fou. Les gars. Je veux que vous explosiez. Devenez fous, les gars. Tous, on est des fous dans notre tête. Et ouais, on n'est pas là pour rigoler. Et ouais. On est là pour gagner, bordel. Mais Forest, Je t'avais dit de discuter tranquille. Non, mais ils étaient chauds aujourd'hui. Ils ont dit, vas-y. Ils ont mis un émotélie. Non, ils sont fous. Dans cette étape, les 4 premiers des 60 joueurs seront directement qualifiés en phase finale. Et le top 16, derrière ces 4 premiers, donc le top 20 en général, seront soumis à un vote parmi tous les joueurs de cette ZLAN, sachant que les deux plus votés iront directement en phase finale aussi. Et c'est 1000 balles directement dans la poche. Parce que les phases finales, c'est les 8 derniers, et dans ces 8 derniers, il y a tous du cash prize, et ils jouent tous le dimanche sur le stream de Zer. Donc il y a un enjeu quand même à se qualifier dans ces phases finales. Pour ma part, étant donné que Trackmania était présent, mon objectif était de faire dans le top 20. Le top 4 était irréalisable. Je me sentais très à l'aise sur Shootmania, mais très peu sur Golgang. En tout cas, je pense que j'avais pas assez train. Pourquoi vous spammez autant? Vous êtes trop chaud là. Qu'est-ce que vous a fait Samy? Vous avez mis des bots ou quoi? C'est des bots dans le chat. Tiens, viens Lulux. Viens avec moi. Le joueur le plus jeune de la ZLAN 2023 qui va tirer au sort les trois papiers. Ne regarde pas, juste tu plonges la main, tu prends un papier au hasard et tu l'ouvres. Qu'est-ce que c'est? Non, vas-y, ouvre-le, je t'en prie. Et tu as choisi Shootmania Royal Race. Bah, je suis dans la merde. Je suis dans la merde, les gars. Bon. C'est pas grave, on va pas se laisser abattre. Mesdames et messieurs, c'est certainement la dernière phase de la ZLAN. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, maintenant, l'objectif, on est 60, c'est de faire top 20. C'est d'être dans le 1 tiers des 60 meilleurs joueurs de la ZLAN. Ça commence. Non, 12, une 12. Non, en 33ème. C'est simple, c'est comme si j'avais DNF à round. Je fais autant de points que si j'avais DNF à round. J'ai l'impression que j'ai train pour rien, encore une fois. Bon. C'est la vie, hein. Ça fait 3 fois, hein. Ça fait 3 fois que je risque ça, ça fait 3 fois que je touche.
Il s'agirait de se faire foutre, Fares. Hein. Et c'était la dernière, là. C'était la dernière run. Ensuite, on enchaîne. Celle-là, je l'aime bien. Allez, juste pas que je la faille. C'est là où faut que je prenne des points. C'est celle-là où faut que je prenne des points. Si je le passe du premier coup, si je stab. Je suis deg parce que cette map, je peux vraiment faire un en dessous de top 10 quoi. Genre pas un top 1, mais au moins un top 5, 6, 7, 8. Et j'arrive pas. Allez. Putain, j'aurais fait top 10. Dépité. J'ai pas passé une seule fois le cut bien. Bon allez, map 3. On les a joués dans l'ordre, c'est trop marrant. Dommage que je gagne sur la fin, mais c'est vraiment pas mal. Mais c'est vraiment pas mal, je suis vraiment content. Allez, on y croit. On y croit. Allez. On peut le faire. J'ai safe à la fin, j'ai safe à la fin. J'ai tellement bien fait. J'ai tellement bien fait de safe. Il en fallait une. Je devrais me dire c'était laquelle. Ça arrive. Ça arrive de choc. J'avais fait de très bonnes runs déjà. Donc bon, c'est pas grave. Ça fait que je vais me faire dépasser. Je vais certainement finir 21, 22, mais bon. Allez, focus sur la dernière. Merci, je la fume. C'est exactement ce que j'ai dit. Hein. Je fume ma run. Allez, la map 4. Allez, la map 4. Il y a tellement... Je pense qu'on doit être entre le top 20, là, on doit être tellement stack. Ah ah. Je me suis endormi. J'ai pas suivi, j'ai pas suivi, j'ai pas suivi. Oh là là. Voilà, je finis 25ème là. Plus 17, ouais, ouais, logique. Allez, un top 10. C'est ce qu'il me faut. Hein. J'en ai marre de moi. J'en ai marre de moi. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre de mon niveau, j'en ai marre. J'en ai marre, j'en ai marre. Je suis plus, mon cerveau suit plus, les gars. Je sais pas. Trop de fatigue, trop de nerfs, trop de... Ça arrive, j'ai craqué, c'est bon, c'est fini. Merci à tous. J'ai pas fait une bonne run. C'est pas grave, hein, c'est le jeu. Bon allez, je ferme le jeu de mort. Et on enchaîne sur Shootmania. Putain, j'ai fini tellement loin. J'ai fini tellement loin. J'ai fini combien, tiens? 25ème. 25, il faut que je fasse top 5. MDR. Faut que je fasse top 20. Par tous les moyens, faut que je fasse top 20. Faut que je fasse même top 15 là maintenant. Minimum. Ok. Une map sur 5 rounds. Ok, une map. Sur 5 rounds, c'est maintenant. Qu'est-ce qu'il fait là, électricien? Il est encore dans... Il était pas en loser bracket? Oh, top 20, allez, bon. Je suis bien. On s'est rattrapable. Tous les gens qui sont devant moi, je peux les fumer, donc allez.
T'es un bâtard, hein. Il était mort dans tous les cas. Allez. Allez. Agression de il est à la peur, hein. Xikov, on voit que t'as peur. Hein. Xikov, il a qu'un seul HP, ça se voit, il est obligé de jouer extrêmement défensif. Oh oh les... oh mon biche, voilà mon biche. J'espère que je vais rester dans le top 10. Oh non, je resterai pas dans le top 10. Bon, tant pis. J'ai ruiné ma LAN. J'avais un top 4. Oh, c'est dommage. Fallait que je reste en vie, putain. Je vous ai applaudi. Top 8, yes! Yes! Top 8! Yes! Oh! Faut pas que je choque sur Golf Gang. Faut pas que je choque sur Golf Gang. Alors attendez. Je suis 14ème? Non. Oh, je suis 14. Alors, est-ce que on a ma poule? Heliodar, Rise, Wax, Électricien, Monody. Avec Heliodar, ça passe. En vrai, ça aurait pu être pire. Pitié, vous savez quoi ça? Je pense honnêtement que c'est une bonne poule. On passe sur le dernier jeu qui est Golf Gang. Je suis 14ème, pour le moment je peux être soumis au vote, il faut que je reste dans le top 20. Pour ça, il faut que je fasse un bon top sur Golf Gang, je n'ai pas le choix. Golf Gang est un jeu de course et de golf, c'est-à-dire qu'il y a deux classements qui sont faits par map. Un classement pour la course, un classement pour le nombre de coups donnés. On additionne les deux points, et celui qui a le chiffre le moins élevé est premier. Allez, on y va. Ni dernier. MDR. Jeans. Je fais déjà trop de points. Hein. Je fais vraiment déjà trop de points. Hein. Prochaine map. Prochaine map, j'ai fait top 3, 58 c'est beaucoup trop, il y a tellement de gens devant moi, je suis jamais top 20 là, je suis jamais top 20, j'espère qu'elle va passer celle-là. Je peux rien faire hein, je peux rien faire, on m'a cabé, j'avais un bon angle mais on m'a touché, bon bref, ça m'a niqué quoi. C'est une blague, j'ai pas pris l'avion. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je suis pas un joueur fantôme, c'est tout. C'est une dinguerie. Voilà, ça arrive. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie, c'est jamais arrivé en training. On veut pas le mettre, hein, on veut pas le mettre. C'est jamais arrivé en training, ça. C'est une dinguerie. Hey!
J'ai mis un coup en plus. J'ai préféré. Je finis premier. Bon, Rise va finir devant moi, je pense. Rise finit devant moi. Je finis deuxième, égalité, je pense, avec Yo. Oh la blague. Oh la blague. Oh la blague. Oh la blague. Oh la grosse blague. Alors celle-là, ça, je l'ai très peu joué. J'ai un goût de trop. J'ai trop de coups. J'ai trop de coups. On dirait, hein. Déjà au premier trou, je fais trop de coups. Il a fini avant moi, c'est une dinguerie. Oh, cette map a ruiné. Oh non, nu. C'est normal, vous savez. On fait plus. Hein. Qu'est-ce que j'ai pris? Je sais pas ce que j'ai pris. Je peux pas expliquer ce que j'ai pris. J'ai pris un truc, je ne sais pas ce que c'est, et c'est le... Bah, CFF, les gars. Jamais je finis 20ème. Jamais. C'est même pas possible. Bon. Bah écoutez, je pense que c'est terminé pour nous, les gars. C'est la fin. On a fait tout ce qu'on a pu, mais ça aura pas été assez. Donc c'est dommage, mais c'est le jeu. C'est le jeu, c'est la Zedlan. Faut faire top 20, les gars. Jamais je ferai top 1. De toute façon, dans tous les cas, même si je fais top 20, après on a le loser bracket encore. On est à la fin de soirée, il reste que quelques épreuves. Le classement, c'est Nicolas Tessoslo et Crocodile. Incroyable. Qui sont qualifiés. Bravo. Je te pose. Félicitations à eux, Nico Lopnes, Oslo et Crocodile. Il n'y a pas eu un seul top en dessous de 5 pour Nico Lopnes et Oslo. Rendez-vous compte du niveau de jeu qu'il faut. Hallucinant. Quand vous connaissez le niveau d'Oslo, par exemple, sur Garry's Mod, etc., d'autres jeux qui arrivent. Et donc ensuite, voilà ce qui va se passer maintenant pour la suite. J'espère qu'il y a des gens qui vont nous voter. J'espère. Eh, si je me qualifie, je me mets tout nu. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je pense que je passerai pas, mais... Mais c'est pas grave. J'aurais fait un bon top. Top 11, c'est incroyable. C'est inespéré. Je suis pas top 11 de la Zedlan. Je suis jamais top 11 de la Zedlan. Mais c'est incroyable, c'est inespéré, donc je suis très, très, très content. Bon. On y est. Étant donné que je termine top 11 de cette 7ème étape, donc dans le top 20, je suis soumis au vote. Là, tous les joueurs de la Zedlan peuvent voter pour me qualifier directement en phase finale. Il faut que je sois parmi les deux plus votés de la Zedlan. Et parmi les gens que vous connaissez, il y a aussi Nagato qui est présent, qui peut se faire voter pour être sélectionné dans les deux de la phase finale. Vous allez connaître le nom des deux heureux élus qui vont rejoindre les quatre qualifiés, les quatre cavaliers qualifiés pour... Le lendemain. Moi, j'ai pas encore lu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais donner les deux élus et ensuite je donnerai les trois suivants pour que vous puissiez voir un petit peu. J'ai reçu pas mal de voix également. C'est horrible. Mesdames et messieurs, la première personne qui se qualifie pour demain, pour dimanche, c'est Tac, mesdames et messieurs. Tac, qui a été voté par les participants. Et donc on a une deuxième personne, il y a une petite histoire ici, et il s'agit de Lulux. Notre Benjamin. Nous avons eu suivi de très près par Wingobert, suivi de Nagato. Enfin, Bichard en dernier, qui a été, enfin dernier, en top 5 tout de même. Malheureusement, je suis top 5 des votes et je n'étais qu'à 3 votes d'être égalité avec Tac. C'est-à-dire que si 3 personnes avaient voté pour moi, j'aurais été sélectionné ou au moins j'aurais pu faire le lancer de câble réseau avec Tac. Je suis dépité, sachant que Blazik c'était parti, il n'était pas là pour voter et qu'il y avait pas mal de gens qui n'étaient plus là pour voter aussi pour moi. Mais rien n'est joué, on passe au loser bracket et c'est la dernière étape de cette Zilan avant les phases finales. Bichard et tout, Bichard, faut jouer hein. Bah TM. Serveur, hein. Oh bah c'est foutu. Oh bah c'est foutu, on joue TM. C'est seulement les 8 premiers. Bon allez. Bah allez hein. Les 8 premiers de TM. Attends, et on joue que TM. Allez, on y va les gars. On est 60 et on va faire top 8 les gars. C'est ma meilleure map hein. Faut le dire. Oh
C'est quoi cette run? C'est quoi? C'est quoi ça? Non mais les gars, c'est ma meilleure map. Attendez-vous. Non, c'est ma meilleure map. Non mais. Pensez pas que. Non, c'est juste ma meilleure map. Vraiment. Hein. J'ai pas eu de trucs bizarres pour le moment. C'est bon, on s'arrête là. Sixième, on arrête la lane ici, non? Ça bug. On coupe. Non les gars, c'est ma meilleure map. On va arriver sur la map 1, ça va être terrible. À moins qu'on s'arrête là. Hein. Si par hasard Zera disait non, on joue que sur cette map, c'est fini. Là, je suis d'accord. Mais bon. Non, c'était ma meilleure map. Détends-toi. Ah, celle-là, je l'ai pas fait une fois tout à l'heure. Celle-là, c'est autre chose. C'est un autre poulet. Hein. Je pense que je suis foutu. Hein. Dommage, c'est fini. Pas ouf, hein. Pas ouf. C'est dommage parce que j'étais pas dégueu, quoi. Ah, ils finissent tous plus de points de moi. Et là, l'écart se réduit. Hein. L'écart se réduit fort et les maps d'après, c'est pas mes meilleurs. Allez, au moins une bonne dernière. Une bonne dernière. Ah. Ah! Tant pis. Ça aurait pu pas se faire comme ça la première fois. Bon, je suis dommage. Dommage que je fasse un peu moins de bonnes choses. Wouah, j'ai tellement descendu. Dommage. Dommage que j'ai perdu un peu de speed sur la fin. Dommage. Ah ouais, là faut pas espérer. Là je vais faire top 10, top 15 même. Ah ouais, non, là j'ai petit. C'est comme si j'avais DNF. Bon. Ça m'a eu. C'est pas grave. On a rêvé, hein, l'espace d'un instant. C'est pas grave, hein. On a rêvé l'espace d'un instant. Ah, allez. Kalen s'est qualifié. Pendant Yoda s'est qualifié. 16ème sur 60. Je veux pas dire, mais on a fait rêver du beau pug. Honnêtement, j'ai aucun regret. Hein. Donc on retiendra ce top 11. Et je suis vraiment content. Une belle perf, Richard. Merci. J'aurais aucun regret. Aucun regret. C'est la vie. Faut que je te dise quand même un putain de bravo parce que t'as été le boss. Merci. Merci, au Martin. Fort. Merci. Ça, je pense, les gars, que ça va faire une très belle vidéo Zedlan. Hein. Le au revoir YouTube. Ah, si vous voulez faire des au revoir YouTube, vous pouvez. Hein. Au revoir YouTube. Je remercie Start hein, qui m'a accompagné pour la Zedlan. Hein. Merci Nicolas Joubert qui m'a prêté aussi des pieds. Qui a voulu me passer un gros stream deck, etc. Mais que je me suis contenté du petit parce que j'avais tout config et que je suis un flemmard. Merci, Toile. Mec, je pense que je suis allé beaucoup trop loin par rapport à mon niveau. Merci. Ouais, ça fait plaisir, mec. Regardez, les gars, j'ai un cadeau pour Guil. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Et attention, hein, je vous le dis, c'est pas ce que vous croyez. Ça, mec? Ouais, vas-y, dis-moi. Tiens. C'est pas ce que tu crois. Tu vas offrir des lunettes? Ouais, c'est exactement ça. Tu vas offrir les lunettes? Ouais. C'est ça. Une manette pour être... C'est une grosse connerie. Franchement, je te connais par cœur. Par cœur, qu'est-ce que tu m'as acheté comme... Attends, je mets la main et je vais essayer de voir ce que c'est. Oh, c'est obvious, ça. Tu vas offrir des chips. Tu vas offrir des chips. Attends, il était temps. Non, c'est une dinguerie. Si. Attends, oh. il fallait. Moi, je suis un homme de parole. Putain, j'ai trop la dalle. Ah ouais. Oh ouais. Putain, t'as fait chier, t'as pris les premiers chips. Quoi? T'as pris les premiers chips. Bah, Marc Cora, mec. Tu te dis, bon, allez, vas-y, ça, il aimera, quoi.
Putain, on va se régaler ce soir. Merci, mec. Voilà. Génial. Merci, merci. Mais non, mais je me suis dit que je me suis dit deux ans après. Mangé, petit bâtard. Non, j'ai jamais mangé. Bah non. Il vient de se dénoncer là. Non, non, c'est juste que nous, les dettes, elles sont familiales chez nous. Oh! Attendez, attendez, à moi, à moi, à moi! Jim? Oh! Attends le mien, attends le mien, attends le mien! Vas-y, tiens-moi la chaise, tiens-moi la chaise! Vas-y. Ok, 3. Non, mais courez ça! C'est plus pour l'estrade et le cure-dent. Ah oui, ouais, en vrai, tiens le cure-dent. Ah! Il y a eu un double flop terrible! Les amis! Merci beaucoup d'avoir regardé cette ZLAN 2023, c'était un event de fou, j'ai jamais autant perf, c'était incroyable, top 11, c'est ce qu'on retiendra de la ZLAN, on a fait des belles choses, on a fait de très belles choses, vous m'avez énormément soutenu, vous m'avez énormément montré votre amour, et énormément montré à quel point vous étiez des beaux gosses, merci pour tout, pour la vidéo YouTube, j'espère que vous avez kiffé, et voilà, vous êtes incroyables, j'espère qu'on se retrouvera l'année prochaine pour la prochaine ZLAN, si j'ai le stats, parce que cette année c'était short. Mais voilà, si je les ai, sinon ce sera avec plaisir. Voilà, bisous tout le monde, bon week-end, bonne journée et à la prochaine.